Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle façon de payer les transactions avec un tiers de confiance. Et en l'occurrence, j'ai testé pour vous Paycar. Alors déjà, commençons tout d'abord par qu'est-ce qu'un tiers de confiance? Le tiers de confiance, ça va être un organisme, une entité, un service qui va se placer entre un acheteur et un vendeur généralement et qui va permettre en fait de faire le lien entre les deux de manière à sécuriser la transaction. Le but étant par exemple, si vous achetez une voiture, dans mon cas justement, de pouvoir isoler les fonds par exemple pour que le vendeur sache que vous avez bien l'argent avant de vous amener la voiture, mais de ne pas lui envoyer les fonds avant d'avoir vu la voiture et d'avoir éventuellement renégocié le prix à la fin s'il y avait des choses qui n'étaient pas marquées dans l'annonce ou dans la description ou non visibles sur les photos. Ça va vous permettre par exemple comme ça donc d'éviter d'avoir à envoyer des fonds et de risquer de ne pas les récupérer ou de vous balader avec un chèque de banque et puis ensuite de risquer de le perdre. Mais ça peut aussi éviter pour le vendeur d'avoir un faux chèque de banque ou d'avoir une transaction qui ensuite sera annulée parce qu'il pensait que c'était un virement puis en fait non. Enfin voilà. Donc que vous soyez acheteur ou vendeur, le tiers de confiance permet de sécuriser la transaction. Et donc maintenant Paycar qui est adossé au groupe BNP Paribas permet en fait donc de servir de tiers de confiance dans essentiellement les transactions d'achat et de vente de véhicules. Il y a d'autres concurrents, par exemple Cash Sentinel qui est adossé au groupe Société Générale fait à peu près la même chose, mais je ne l'ai pas testé. Et donc en fait le principe c'est que chacun, l'acheteur et le vendeur, vont s'inscrire et vont donner entre autres leur pièce d'identité, leur référence, un justificatif de domicile, des choses comme ça, pour être connu par le tiers de confiance. Et ces références vont être vérifiées, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre une fausse pièce d'identité par exemple. Si vous avez une fausse pièce avec des faux numéros, ils vont le savoir, puisqu'il y a des algorithmes qui permettent en fait de calculer les clés, etc. pour vérifier que votre pièce est la bonne. Et ça va comme ça permettre d'authentifier chacun des deux protagonistes de la transaction, l'acheteur et le vendeur. Ensuite, l'acheteur va verser l'argent en fait sur un compte qui lui est dédié chez Paycar et ne va valider la transaction qu'une fois qu'il est en présence du vendeur et donc, comme je vous le disais, qu'il a fait le tour de la voiture et que chacun est tombé d'accord sur le prix. Le vendeur va recevoir immédiatement les fonds, débité bien sûr du montant de la commission que prend Paycar, en sachant donc que c'est effectivement cette commission est à la charge du vendeur et non de l'acheteur. Libre après entre l'acheteur et le vendeur de demander éventuellement à ce qu'il y ait un surcoût sur le prix de vente pour pouvoir couvrir ça sur les fonds que l'acheteur verse en fait au vendeur, puisque c'est une somme forfaitaire, en plus c'est pas un pourcentage donc ça se calcule très facilement. Et après ça permet comme ça d'être certain que tout le monde a les sous et ensuite les sous sont reversés sur le compte du vendeur dans les 24-48 heures, ça se fait vraiment très très bien. Donc pour l'expérience que j'en ai eue, déjà en termes d'inscription, ça se fait super rapidement. C'est-à-dire que j'ai fait ça un soir vers 20h-20h30 et à 21h40, j'avais déjà les validations de mon compte qui étaient faites avec le RIB personnel de mon compte Paycar qui m'était mis à disposition. Ce qui fait que en termes d'équipe de vérification ou de process de vérification automatisé, je sais pas si c'est automatisé avec de l'OCR ou s'il y a vraiment des gens qui bossent derrière pour le faire manuellement, mais dans un cas comme dans l'autre, en tout cas, c'est extrêmement rapide. Ensuite, les fonds arrivent très vite, c'est-à-dire quand j'ai fait mes virements, les fonds partaient de la Société Générale le mardi, par exemple. Le mercredi, je recevais un SMS et un mail de Paycar qui me disait « les fonds sont arrivés sur votre compte Paycar ». Et ensuite, mon vendeur, lui, pouvait consulter avec mon numéro de téléphone, en fait, les fonds qui s'accumulaient pour pouvoir vérifier que j'avais bien isolé la somme nécessaire à l'achat de la voiture. Ensuite, une fois qu'on est sur place, c'est assez facile aussi, il suffit de se connecter sur l'application et de valider le montant, de mettre le numéro de téléphone du vendeur pour qu'il soit identifié également et de taper un petit code, un mot de passe que vous avez défini vous-même déjà préalablement pour pouvoir valider la transaction. Et donc, comme je vous le disais, le vendeur, lui, le voit dans les quelques secondes qui suivent, il reçoit le texto, le SMS et sur son appli Paycar, il voit déjà le montant. Et ce qui est bien avec Paycar aussi, c'est que contrairement par exemple à un chèque de banque, si vous voulez être sûr que c'est un vrai chèque de banque, vous êtes obligé de faire ça sur les horaires d'ouverture de la banque pour pouvoir vérifier en fait que c'est un vrai chèque et pouvoir appeler la banque pour savoir si elle l'a bien émis. Et bien là, en fait, avec Paycar, vous avez une assistance téléphonique si vous avez un souci qui est ouverte 7 jours par semaine, donc du lundi au dimanche, et sur des horaires assez étendus. Je crois que c'est quelque chose comme 8h-21h ou 8h-22h, enfin. Ce qui fait que même si vous devez y aller, par exemple, après le bureau ou si vous devez y aller un dimanche,
Et ben vous avez quand même une assistance si vous avez un problème, un pépin pour faire fonctionner l'application sur le lieu où vous êtes. La seule contrainte étant donc de pas faire ça au milieu de la pampa avec un réseau 3G et 4G inexistant, pas de wifi, rien du tout. Parce que là forcément vous pourrez pas vous connecter, ça va devenir problématique. Mais pour tous les autres cas effectivement c'est hyper intéressant. Et puis donc en plus y a pas de vérification réelle à faire, puisqu'en fait les fonds sont déjà stockés sur votre compte Paycard, ils sont envoyés au vendeur directement. Et donc le vendeur n'a aucune vérification à faire, il reçoit le message de Paycard qui lui dit votre compte a été crédité et voilà c'est bon c'est fini, la transaction est validée quoi. Donc à ce niveau là c'est quand même assez bien foutu parce que ça évite aussi tous les aléas que peuvent représenter de l'espèce ou du chèque de banque ou des virements. Et pour une facturation qui est en fait assez modique, je crois que ça a coûté à mon vendeur quelque chose comme 35 balles. Bon bah voilà, c'est sûr que si vous vendez une voiture à 500, 1000 euros, 35 balles, ça fait déjà un petit pourcentage quand même, quoi. Ça fait 3-4% de la transaction. Mais si vous achetez une voiture à 5, 10, 15, 20 000 balles, au final, ça fait une somme extrêmement modique pour sécuriser, simplifier la transaction et rendre le tout extrêmement fluide. Et en tout cas, à titre perso, l'expérience a été extrêmement concluante et satisfaisante. Et je pense qu'en tant qu'acheteur comme de vendeur, maintenant, je vais passer par ce genre de système. Peut-être que la prochaine fois, je testerai Cash Sentinel pour vous faire une vidéo et dire un peu les plus et les moins par rapport à Paycard. Mais en tout cas, la transaction avec Paycard a été vraiment hyper simple, hyper souple, hyper fluide. Et ça reste une très bonne expérience. Et pour moi, donc, l'idée est vraiment extrêmement intéressante. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au clap, le commenter, liker, vous abonner et partager. N'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee pour me soutenir également financièrement. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.